Thank you.
bonté, votre père, messire Thibault de Croy, votre seigneur. Pouvez-vous y participer? La question mérite d'être posée. Qu'en pensez-vous, belle assemblée? Mademoiselle Isadis a-t-elle également son mot à dire? Oui. Messire Thibault, votre père vous permet de porter la lance et l'épée. Et nous vous encourageons à débuter ces jeux. Écuyer en place, que l'on remette une lance à une épée à Mademoiselle Isadis. Merci, écuyer. Il fait chaud dans ce fief, maréchal. Avez-vous soif, Philippe de Nevers? J'ai tout dit sec. Quelqu'un a-t-il quelque chose qui permettrait d'étancher la soif de Philippe de Nevers? Moi aussi. Ce peuple ne vous aide point, Philippe, je suis désolé. Oh mon Dieu, je n'aime pas, alors. Écuyer, votre ténépé également à messire Thibault de Croy. En plus, ils sont moches. Philippe de Nevers, pas de jugement à titre. Première épreuve est une épreuve d'adresse, celle de la pomme tranchée. Décide, mademoiselle, chevalier, prenez place. Et surtout, prenez garde à ne point faire teinter la lame. J'appelle Mademoiselle Isolis. En place, laissez aller. Oh, finement tranché, pouvez l'applaudir. Messire Thibault de Croy, allez-vous faire mieux? En place, laissez aller. Oh, la lame a teinté, messire Thibault de Croy. Ce n'est point dans les règles. Philippe de Nevers, êtes-vous capable de mieux? Allez-vous nous le montrer en cet après-midi? Alors, en place. Et laissez aller. Messire Philippe de Nevers, vous ne maîtrisez point votre monture. Est-ce qu'il vous faut un poney? Vous voulez conquérir un fief, vous n'arrivez pas à maîtriser votre monture. Ah là 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 là. Vous pouvez le huer, il ne respecte pas nos bonnes règles. Ce n'est point de moment de manger, Philippe de Nevers. Parce que là, pour l'instant, vous êtes là pour montrer votre adresse, votre bravo, et pas votre gourmandise. Et bien voilà, c'est bien ce que je disais. Chevalier, vous n'emportez que le titre. Allez, deuxième épreuve, celle des annelles. Que l'on remette une lance à messire Thibault de Croy, Mademoiselle Isolis et Philippe de Nevers. L'épreuve des annelles consiste à attraper à l'aide de leur lance les annelles tendues par mon écuyer. Le premier qui remportera l'annelle remportera cette épreuve. Mais ils auront besoin de vos encouragements, belle assemblée. Encouragement votre seigneur. Thibault de Croy, faites du bruit pour votre seigneur. Et n'oubliez point votre princesse, Mademoiselle Isolis. Son anniversaire, plus de bruit, je vous prie. Ah, ça qui est mieux. J'appelle, pour cette première manche, notre seigneur Thibault de Croy et le chevalier Philippe de Nevers, en place, laissez-les. Ah, victoire sans conteste, Philippe de Nevers. Vous m'avez habitué à mieux, messieurs Thibault. Votre fille récupère le coup. J'attendons de voir ça. Mademoiselle Isée, à vous de sauver l'honneur de mon cornet. Messieurs Philippe de Nevers, ferez-vous le coup de deux? Ah là là, cette monture indomptable. Y a-t-il un mais? J'avais déjà posé la question avant. En place? Laissez aller! Allez, ah! La
princesse a de la précision et de la vitesse, vous pouvez l'applaudir. Est-ce qu'on s'arrête là?